twe duharanira yuko atamwana numwe yosigara inyuma atamwana numwe atoronka ubumenyi kandi bw'akanovera atamwana numwe yoba hanze y'ishuri kandi kibanza ciwe kiri ku ishuri. Navuga ko abamashyirahamwe yigenga n'abamenyeshamakuru ari abantu bafise ijwi rishika kure kandi rishika hejuru. Dufatiye rero kumbure ku ngorane ziri mu ico gisata kugira twunganire ababijejwe ari bo navuga abajejwe indero guverinema abamenyeshamakuru n'abamashyirahamwe bigenga bafise uruhara ntangero na cyane cyane haba mu mashyirahamwe yabo haba aho bashikana ibikorwa byabo haba ku rwego rw'igihugu cyangwa urwego rw'intara baraterera. Nicyo gituma kenshi bidusaba ko bakangurira imbaga kugira ngo bagire ubwo bumenyi mu byo bagenda gukora kugira ngo na cyane cyane twe duharanira yuko atamwana n'umwe yosigara inyuma atamwana n'umwe atoronka ubumenyi kandi bw'akanovera atamwana n'umwe yoba hanze y'ishuri kandi kibanza ciwe kiri ku ishuri. Muri ico gihe tuzi uruhara rw'amashyirahamwe tuzi uruhara rw'abamenyeshamakuru bafise ijwi rishika hose bumvirizwa na bose mu gihe na cyane cyane tubona yuko abana benshi bari inyuma y'ishuri hariho imvo nyinshi hariho no kutamenya kw'ababyeyi hariho n'abandi batabona akamaro kw'ishuri bafatiye ku bintu byinshi kumbura ubushomeri uba buriho bavuga ati nabize ntibaronka ubuzi hariho n'ibindi byinshi bituma abantu batagenda ku ishuri. Mu gihe rero twobifata kumwe haba amashyirahamwe yigenga cyangwa abamenyeshamakuru tugaherekeza iyo migambi myiza leta yashyizeho byotuma bifasha kumbure cya gitigiri kiri inyuma y'ishuri bavuga yuko ari nka 23% byogabanuka mbere bikavaho na burundu. Strategie nationale en rapport avec l'éducation. Donc, comme la société civile, il faut qu'il parle la même voix, il faut qu'il soit unique pour contribuer, il faut qu'il soit sur le même niveau de contribution. On ne peut pas contribuer si on n'a pas cette capacité, si on n'a pas ses connaissances, ses rapports, ses politiques nationales en rapport avec ses politiques régionales, en rapport avec ses politiques internationales, que ce soit dans le secteur éducatif, que ce soit dans d'autres secteurs de la vie nationale. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a interpellé nos collègues de la société civile et surtout qui œuvrent dans le secteur éducatif et dans le secteur des droits de l'homme et surtout dans les droits de l'enfant, qu'ils puissent mieux maîtriser et même voir les ODD en général et tout particulièrement l'ODD cadre qui cadre bien avec le secteur. Vous avez aussi parlé des élèves qui sont en dehors de l'école. Est-ce que vous pouvez nous dire en termes de pourcentage combien d'élèves et quelles ont été les causes qui les ont poussés à être en dehors de l'école? Ah oui. Actuellement, les données que la police dispose, 23% des enfants en dehors de l'école, c'est un pourcentage que je dirais qui n'est pas du tout non négligeable, je dirais. Donc les causes sont nombreuses. Dans ce sens qu'elles varient selon les régions, selon les provinces. Par exemple, je peux partir d'un exemple concret au nord du pays. Les filles abandonnent l'école suite au mariage précoce. Donc d'autres viennent des familles pauvres. C'est la pauvreté, c'est
le début même de l'école suite au chômage non négligeable dans notre pays. Et d'autres sont liés à des handicaps, que ce soit des handicaps physiques, handicaps, je dirais, dans les, je peux grouper ce type d'handicap dans les groupes marginalisés ou vulnérables, qui n'ont pas accès à l'école suite à de nombreuses causes, surtout les locaux non accessibles, manque de matériel et d'autres causes, je dirais, par exemple, il y a des familles jusqu'à présent qui cachent les enfants handicapés. Donc, c'est dans ce sens que la coalition parfois organise des renforcements des capacités de toutes les parties prenantes, que ce soit au niveau local ou au niveau national.